On ne dévoile pas dans la presse et partout dans les médias notre stratégie, mais tout le monde connaît notre capacité de mobilisation. Donc, capacité de mobilisation, parce que comme vous le savez, cette jeunesse donc de Ziguinchor Short est une jeunesse engagée, une jeunesse qui a cru dès les premières heures au président Macky Sall, donc en 2008. Et vous voyez donc l'engouement de tous ces jeunes-là qui sont là parce qu'ils sont conscients de leur avenir. Et donc, nous réitérerons donc cette grande mobilisation que vous avez eue lors du lancement du pôle développement Casamance, et je pense que le président Macky Sall aura encore un accueil très 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 chaleureux donc, au niveau de Ziguinchor et qu'il n'oubliera jamais. De quoi avez-vous besoin pour... Comme vous l'avez dit, une mobilisation, donc qui dit mobilisation, c'est les moyens. Les moyens humains sont là, parce que nous sommes tous des moyens, mais aussi les moyens financiers permettront aussi à ce que la mobilisation puisse être des meilleurs. Et donc c'est dans ce sens-là que aussi nous demandons, nous ne sommes pas demandeurs, c'est parce que nous, avec des moyens ou sans moyens, nous recevrons le président, mais comme partout d'ailleurs, en tant que responsable et autres, il se doit qu'on puisse avoir quelque chose qui nous permette de mobiliser, de prendre des cas et autres. Qu'ils viennent à temps, c'est ça? Et qu'ils viennent à temps surtout. Et nous ne voulons pas que ces moyens-là puissent nous être envoyés par des gens qui sortent de Dakar. Nous avons des responsables qui sont là, qui sont dans la région. Il faudra que les moyens-là, qu'on puisse les remettre main en main et non pas quelqu'un qui sorte de Dakar pour venir dire oui, on m'a envoyé des moyens du parti, des moyens qui pour la mobilisation. Nous avons des responsables. Ils sont à Dakar et qu'on puisse les remettre là-bas et qu'eux, ils viennent main en main. Vous avez mis en garde certaines qui sont tapées dans l'ombre et qui voudraient justement s'aborder la venue du président de la République à Ziguinchor. Oui, effectivement, parce que nous avons vu une première fois, ils l'ont réitéré une deuxième fois, et donc cette troisième fois, nous ne laisserons pas faire. Nous avons voulu opter parce que nous croyons à la justice, nous avons confiance en nous-mêmes, mais nous mettons en garde tous ces fossoyeurs-là, tous ceux qui vont vouloir entacher donc, la venue du président, parce que le Macky, c'est quelqu'un qui est aimé dans ce pays. Macky Sall, c'est quelqu'un qui a convaincu surtout les Ziguinchorois par rapport aux actes qu'il a posés. Ces actes, comme je vous l'ai dit, vous avez vu la voirie au niveau de la Casamance, au niveau de Ziguinchor, vous avez vu les deux bateaux qui vont bientôt arriver, Aguen et Djambon. Il y a déjà le Djogé, Alim Sito et Diata, donc c'est qui vont permettre le désenclavement de la Casamance. Vous avez vu l'aéroport de Ziguinchor, vous avez vu la couverture maladie universelle qui est arrivée, vous avez vu la route RN6 qui est là, l'aéroport qui est agrandi pour avoir une dimension internationale. Donc c'est autant d'actes qui sont là, l'hôpital de la paix qui est là, le stade pour les jeunes, le stade de Aline Citoyen. Donc autant de programmes qui sont là, vous avez vu l'ISRA qui est rénové pour atteindre l'autosuffisance en riz, c'est déjà le central de Boutout. Donc c'est autant d'actes qui sont là et qui nous permettent donc d'avoir beaucoup plus confiance en président Macky Sall et de pouvoir lui réserver un accueil chaleureux. Et donc il est temps que toutes ces couches-là, que Ziguinchor puisse se mobiliser, permettre au président, montrer au président donc notre attachement à lui, mais aussi aux actes qu'il est en train de poser. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et Macky Sall quand même mérite un accueil chaleureux. Donc il est temps que les femmes, hommes, jeunes, donc toutes ces couches de Ziguinchor puissent sortir en masse donc le jour venu pour permettre un accueil chaleureux. Vous semblez égratigner certains qui se réclament la paternité de la voirie urbaine de Ziguinchor. Oui, comme vous le savez, ils l'ont toujours fait. Ils essayent tout le temps parce qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet. Dites-moi, quel projet qu'ils ont mis en œuvre? Jamais. Qui? La mairie, l'UCS, Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, il faut oser le dire. Abdoulaye Baldé a déçu tous les Ziguinchorois, il faut le dire. Et pourtant, il a gagné là. Oui, c'est parce que nous ne sommes pas entendus. C'est parce que nos divergences nous ont permis aux Ziguinchor de nous sanctionner. Mais si c'est côté travail, non, je peux dire, et je dis que Abdoulaye Baldé n'a rien fait à Ziguinchor. Dites-moi, citez-moi, quel programme qu'il a fait, quelle voirie. C'est un programme de l'Union européenne que Robert Sagnan avait gagné. Malheureusement, il avait perdu. Et ça a été continué. Où est-ce qu'on en est arrivé? Il pouvait pourtant renouveler ce programme-là, qui était un programme ambitieux, qui prenait de l'emploi. Le programme de pavage de la voirie. Il suffisait juste de relancer le programme. L'usine est fermée. Il n'y a plus d'emploi. Alors qu'on pouvait avoir plein d'emplois pour les jeunes. Les nouvelles routes-là, non, c'est l'État. C'est vrai que la Géroute, c'est vrai par rapport à le truc. Ils ont mis un peu de plaques. C'est ainsi qu'on les voit. Ils sont en train de faire des communications là-dessus. Mais c'est des routes de l'État. La mairie n'a même pas 500 millions pour
démarrer des routes, alors qu'une route, ça coûte combien? 500 mètres, ils ne peuvent même pas le faire. Donc, toutes ces routes que les Ziguinchors voient, toutes ces routes que les Ziguinchors voient, toutes ces routes qui sont en train d'être faites, c'est des routes qui émanent de l'État. C'est l'État qui a financé donc, ce programme donc, de route au niveau donc, de Ziguinchors. L'actualité est un peu brûlante avec les différentes manifestations du Parti démocratique sénégalais et les alliés. Vous, en tant que Ziguinchorois, comment vous percevez ces différentes manifestations qui se font à Dakar, avec même des arrestations parmi lesquelles Toussaint Manga, un jeune de Ziguinchor? Oui, nous sommes désolés. Et sincèrement, Toussaint, c'est un grand ami. C'est un ami, un promotionnaire. Sincèrement, je regrette qu'Abdoulaye Wade l'ait emballé dans ces histoires de politiciennes pour uniquement le seul intérêt de libérer son fils et de faire libérer ceux-là qui ont commis donc, des crimes financiers. Nous en désolons et nous demandons à la jeunesse de ne pas suivre Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a fini son temps. Le front patriotique, qui n'est pas patriote, ils ne sont pas patriotes. Parce que quand on se réclame d'une opposition, il faut se dire, Macky Sall, les jeunes ont besoin d'emploi. Il faut en faire plus. Macky Sall, il faut construire des hôpitaux. Macky Sall, il faut faire de la paix en Casamance. Il faut faire tout pour que la paix revienne en Casamance. Macky Sall, il faut développer l'agriculture. C'est ça une opposition. Mais une opposition qui demande tout le temps, chaque jour, prendre des jeunes en otage. Allez-y faire un meeting. Allons-y marcher. Est-ce que c'est raisonnable? Et des jeunes prendront des balles par inadvertance. Des jeunes vont verser de leur sang pour uniquement libérer une seule personne, c'est-à-dire en l'occurrence son fils, donc qu'ils arrêtent. Pour vous, ça c'est un combat pour la libération. C'est uniquement le seul intérêt à Abdoulaye Wade l'a dit. Dans tout son discours, il n'a pas parlé du développement du Sénégal. Il n'a pas parlé sur le plan économique. Juste pour dire, la CREI, il a ressuscité la CREI. La CREI ne doit pas juger son fils. La CREI ne doit pas faire autrement. Le front patriotique, c'est un front partisan pour défendre uniquement des intérêts crypto-personnels d'individus qui ont pillé les ressources de ce pays. C'est inadmissible. La justice fera face. Et le président Macky Sall ne reculera pas parce que c'est une volonté populaire. Et je vous dirai, faites un micro-trottoir et vous verrez ce que vous allez entendre des Ziguinchorois. Vous les qualifiez de criminels financiers? Oui, c'est des crimes financiers. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Et donc, dans ce sens-là, nous, jeunesse républicaine de Ziguinchor, nous sommes là. Nous mettrons toujours en sentinelle pour dire au président Macky Sall que nous sommes avec vous. Parce que cet argent que eux ils ont pu manipuler pouvait servir à construire des écoles, à créer des emplois, à financer comme le président de la République est en train de le faire.